ça comme ça. Voilà, ok. Bon, les caps, merci, hein. C'est comme ça que vous le prenez, alors, hein, 30 000 vidéos. Bon, du coup, je vous fais une petite vidéo sur le Trocadéro, là, hein, à Paris. Voilà, ça, c'est le symbole de votre victoire. Donc, en fait, c'est parti, les caps, j'envoie direct la guidance. Merci à vous, en tout cas, hein. Et tous ceux qui m'ont fait des donations et tout ça, je vous remercierai sur la vidéo des All Signs, parce que là, j'ai pas le temps à regarder où on est, là. Enfin, bref, vous m'avez compris, quoi. Alors, ok. Bon, c'est une petite vidéo introduction, je me remettrai tranquille dans le vaisseau mère ensuite pour vous faire une vidéo qui soit un peu plus posée. Mais là, pour l'instant, je vous fais une petite introduction, il fallait bien que je vous fasse ça. Donc merci beaucoup les caps, merci à vous, franchement, je vous dois vraiment tout. C'est grâce à vous que la chaîne est là encore aujourd'hui. Et ça me fait super plaisir, votre amour et tout ça, franchement, ça me fait super plaisir. Donc j'envoie direct la guidance pour vous les caps. Sur le Trocadéro, c'est un truc de ouf. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Capricornes. Bon, les Capricornes, c'est pas parce que je suis là et que je suis en direct et tout que je vais vous faire une mauvaise vidéo, hein. D'abord, c'est une petite vidéo cool, mais ça va vous parler quand même les Caps, hein. Après, je le referai un peu plus tard. Sun, Moon, Rise, Venus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Caps, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. Ça va ou quoi? Check. Ah, il y a du monde ici aujourd'hui. En plus, c'est un challenge pour moi, hein. C'est un challenge pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire ça avec du monde, mais il faut que je m'entraîne parce que sinon, c'est comme ça que je vais progresser. Alors bougez pas les caps. Faut que je batte encore un peu les cartes. Cutting the deck for caps. Ouais, là du coup vous avez pas pu voir, mais il y avait un petit muret derrière moi. Ouh, la connexion est difficile. Heureusement qu'il y a une antenne derrière. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Caps, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Caps. C'est parti les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Ouais, comment je vais les sortir les cartes? Comme ça, comme ça. Hmm. Bon les caps, vous avez l'arcane 13, l'arcane sans nom en dos de deck. Alors ça vient me parler d'addiction, ça vient me parler de relations karmiques, ça vient me parler tout ça. Aussi, je voulais vous dire un truc important les capricornes. Je sais que la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait vers vous. Et énergétiquement, j'ai checké avec la conjonction des planètes et j'ai remarqué que cette chose n'était pas encore arrivée à vous. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette guidance un petit peu en retard. Alors sachez que ça arrive toujours, mais que en tout cas ça prend un petit peu de temps. On commence votre jeu avec le Two of Swords in Reverse, les Capricornes. Ça me montre que vous n'arrivez pas à faire un choix encore. Ça me montre que vous n'arrivez pas à faire un choix, que vous refusez en fait de faire le bon choix. Vous savez, j'ai vraiment une certaine image, j'ai l'impression de voir comme un espèce de signe, vous savez, le signe du... Non, c'est pas un espèce de signe, c'est le signe du yin et du yang. Et c'est comme si en fait, c'était deux personnes ou deux cœurs qui devaient se retrouver, mais qui étaient bloqués par l'ego, les Capricornes. C'est vraiment ça que je ressens en fait, c'est vraiment ça que je ressens. C'était comme si en fait, il y avait deux forces, deux cœurs, deux énergies qui devaient se rejoindre, mais que ces deux énergies, elles étaient bloquées par l'ego. C'est vraiment cette sensation que je ressens. Vous voyez, le Two of Swords in Reverse, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner votre jeu. C'est vraiment l'énergie qui est à la base de votre jeu. Et ça vient me dire, les Capricornes, que... Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez refusé de faire les bons choix et que ça continue, si vous voulez, à se perdurer à l'intérieur de vous et que ça, c'est vraiment pas facile à vivre pour vous.
Je pense que vous savez que vous êtes destiné quelque part, que vous avez une personne à qui vous devez parler, mais que vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec cette personne parce qu'il y a l'ego en fait qui bloque les retrouvailles. C'est vraiment cette énergie, c'est vraiment ça que je ressens les Capricornes. Vous avez le Ace of Wands in Reverse, les Capricornes. Ça vient me dire que quelqu'un ne vient pas vous dire la vérité. Ça vient me dire que quelqu'un ne vous dit pas la vérité. Ça vient me dire que quelqu'un ne s'exprime pas vous concernant les Capricornes. Et ça, en fait, ça vient me dire que il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer, mais cette personne ne le fait pas, les Capricornes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'ego qui bloque tout ça, les Capricornes. J'ai l'impression que c'est vraiment l'ego qui bloque tout ça. Vous voyez, vous avez, si je vous dis ça, c'est parce que l'énergie qui supporte votre jeu, c'est vraiment l'arcane du diable à l'arrière du deck là. Donc ça me montre que c'est vraiment l'ego. Il y a quelque chose qui vient bloquer en fait la réunion. Il y a quelque chose qui vient bloquer en fait les retrouvailles. Et je pense pas que c'est uniquement du côté de cette personne. Je pense que vous avez aussi ce sentiment à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez séparés chacun de votre côté, dans vos croyances, dans vos habitudes, dans vos addictions, et que vous n'arrivez pas à vous défaire de ça. C'est ça le problème, c'est ça que je vois pour vous les Capricornes en ce moment. Je ne fais que devancer les cartes, les Capricornes. Merci mes guides qui sont là, on est là sous le soleil. Regardez les Capricornes, où est-ce qu'on est là? C'est top ou pas? Ça y est, je me réveille. Mais vous avez la lune, les Capricornes, la lune. Ça vient me dire, the moon, les Capricornes. Ça vient me dire justement que vous êtes dans l'illusion par rapport à une personne, c'est-à-dire que vous ne savez pas les sentiments que cette personne elle a pour vous. Et je pense aussi que ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment vous rapprocher de cette personne, mais qu'il y a vraiment un gros problème d'ego. Il y a vraiment une certaine... Alors, ça, c'est aussi votre énergie, hein, c'est l'énergie du diable, bien entendu, mais vous savez, on dit toujours que le diable aime être loué. Ça va, les gars, ou quoi? Ça va, bien, tranquille. Ça va, tranquille. On est là, nickel. On est là, Panama. Ça fait partie du folklore ici, hein, donc voilà. Avec mon frère, hein. Si tu veux leur passer un petit message, vas-y. Ouais, donc voilà. Et les Caps, je voulais vous dire, donc vous voyez l'énergie, votre énergie du diable, les Capricornes, c'est vraiment aussi une énergie d'attachement, c'est vraiment une énergie de... On dit souvent que le diable aime être loué, les Capricornes, et j'ai l'impression que c'est difficile à dire, mais c'est comme si en fait vous... Alors je vais dire les choses franchement aujourd'hui, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, les Capricornes. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous et que ça pose un gros problème, les Capricornes. C'est ça qui fait que énergétiquement ça bloque et que la personne qui vous est destinée... C'est comme si l'énergie qui vous était destinée avait peur de venir vous voir, les Capricornes. C'est vraiment ça que je ressens. Les Capricornes, vous avez la Queen of Cups in Reverse. Ça vient vraiment me dire que cette personne, encore une fois, j'ai devancé les cartes, mais cette personne qui pense à vous, elle n'ose pas venir vous déclarer ses sentiments parce qu'il y a encore un problème d'ego. Il y a vraiment ce problème-là, les Capricornes. L'énergie qui couronne le tout, c'est celle-là, les Capricornes. C'est le Ace of Pentacles. Regardez sa tronche à lui, les Capricornes. Le Ace of Pentacles, alors, non, pardon, c'est pas le Ace of Pentacles, c'est le King of Pentacles, c'est le roi de Bitcoin. Donc si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que... Alors c'est marrant les Capricornes, mais vous, c'est toujours une histoire de boulot avec vous. C'est qu'au niveau du travail, vous arrivez toujours à vous réaliser. Vous avez toujours en fait cette... J'ai l'impression qu'au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau des réalisations, vous arrivez à le faire les Capricornes, mais qu'il manque encore un point essentiel dans votre vie, c'est-à-dire l'amour les Capricornes. Et j'ai aussi l'impression que peut-être avec le Ace, enfin c'est pas peut-être, mais avec l'énergie qui me vient en fait les Capricornes, c'est que avec le King of Pentacles, ça vient me dire que... Vous avez un projet dans le cœur, que vous avez envie de réaliser un projet, mais que vous avez aussi envie de le faire d'une façon différente. Vous avez envie de sortir des chemins tout tracés et de faire une chose de votre façon à vous. C'est comme par exemple les chaînes de guidance. Il n'y a pas beaucoup de monde qui débarque ici sur Paris pour faire une guidance devant la Tour Eiffel. Ça, je le fais parce que c'est vous et que je vous dois ça, les Capricornes, et que je vous kiffe. Bien entendu, j'essaierai toujours de faire des choses spéciales pour vous, les Capricornes. Mais ce que je viens vous dire par là, c'est que j'ai l'impression que vous aussi, vous voulez faire les choses différemment, les Capricornes. Si vous voulez construire, je ne sais pas moi, une roquette dans votre jardin, bah vous allez le faire. Une roquette qui est construite dans un jardin ne peut pas atteindre la lune, mais vous allez quand même essayer de faire les choses différentes et vous allez essayer d'y arriver. Je sens que vous avez vraiment la potentialité d'y arriver, les Capricornes. Ça me montre qu'aussi qu'en affaires, que vous ne voulez pas faire comme tout le monde. Vous voulez essayer de faire mieux, mais vous voulez surtout essayer de faire différent. Vous voulez essayer de ne pas passer par les chemins qui sont tout tracés. Et ça, je trouve que c'est formidable, les Capricornes. C'est vraiment l'énergie du King of Pentacles et c'est ça que vous voulez réaliser, les Capricornes. Ça y est, je commence à me sentir un peu mieux là. Parce que c'était pas évident avec tout ce monde, mais là, ça va un petit peu mieux, je rentre dans l'énergie. Vous avez le Page of Swords, les Capricornes. Ça vient vraiment me dire que vous êtes vraiment sur la défensive.
encore une fois, ça vient me dire que vous avez envie de vous réaliser, ça vient me dire que vous avez soif d'apprendre, ça vient me dire que vous avez envie d'avancer, mais ça vient aussi me dire, les Capricornes, que vous êtes sur la défensive. Encore une fois, vous êtes sur la défensive et c'est pas facile, en fait, comme vous avez construit un mur, pour d'autres personnes de venir vous voir, les Capricornes, franchement. Et je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, je sais que vous avez réussi à construire un mur et des fois on fait déjà ça pour se protéger. Et le King of Swords, c'est aussi avoir une certaine conviction. C'est aussi avoir une certaine conviction et j'ai l'impression que vous avez des convictions et que ce sont des convictions fortes et que vous n'arrivez pas en fait à vous détacher de ces convictions. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une super bonne chose, les Capricornes. Mais de temps en temps, il faut savoir baisser sa garde aussi, parce que j'ai l'impression que vos valeurs sont très hautes et c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que vous, les Capricornes. Donc le truc que je voulais vous dire par là, c'est que je vous parle pas d'avoir une discussion avec quelqu'un et de vous rabaisser, mais en fait ce que je vous dis, c'est d'accepter les choses énergétiquement. J'ai l'impression que peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même pour pouvoir accepter certaines choses et pour pouvoir ouvrir des portes énergétiques qui vont permettre la réunion ou qui vont permettre des communications ou une relation, tout simplement, une relation, que ce soit au niveau des affaires ou au niveau de l'amour. Les Capricornes, vous avez le chevalier de bâton in reverse, les Capricornes. Ça c'est vraiment les Capricornes, c'est vraiment un premier conseil de l'univers qui vous dit de ne pas être trop fougueux, de ne pas avoir cette énergie de feu et de tempérer, de prendre les choses, de faire les choses calmement. Si jamais vous recevez un coup de fil ou en affaires, de faire les choses, de tempérer votre passion, de tempérer, en fait, vous savez, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dois vous répéter cette phrase, mais encore une fois, le diable aime être loué, les Capricornes. Le diable, c'est pas que le diable s'habille en Prada, c'est que le diable, il se fout à poil. Il se fout à poil devant tout le monde parce qu'il en a rien à foutre, en fait. C'est exactement ça. Et c'est, j'ai l'impression que vous avez la pleine puissance, les Capricornes. Mais à force d'étaler cette pleine puissance, ce n'est pas que vous impressionnez les gens, mais c'est que les autres, en fait, il y a des opportunités énergétiques qui se bloquent par rapport à ça, les Capricornes. Vous voyez, regardez comme il est badass, lui. Il fait flipper. Et en fait, on vous demande de baisser cette énergie. Je pense que cette énergie, elle vient toujours vers vous, les Capricornes, mais qu'on vous demande de baisser cette énergie. Voilà. Les Capricornes, au niveau de la famille, vous avez le Judgment in Reverse, énergie des Sagittaires. Ça, c'est une carte qui me parle de la seconde chance. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de contenir cette seconde chance, qu'elle a envie de venir vous voir, qu'elle a envie de venir vous parler, qu'elle a envie d'établir un lien avec vous. Mais que, ou alors, c'est peut-être une opportunité qui doit se faire, encore une fois, les Capricornes, mais que vous êtes en train de bloquer ça énergétiquement. Et aussi, ça vient aussi me dire que vous avez vraiment envie de faire les choses différemment. Il y a vraiment ces deux énergies qui sont très présentes par rapport à ça, les Capricornes. Hope and Fear, vous avez la Queen of Pentacles in Reverse, les Capricornes. Ça vient vraiment me dire, les Caps, que, encore une fois, que vous êtes en train de sonder à l'intérieur vos potentialités, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, les Capricornes. Et ça vient aussi surtout me dire, les Caps, que vous voulez faire les choses de façon différente, vous voulez faire les choses de façon authentique et vous voulez faire en fait ce que tout le monde fait, mais de façon différente. Vous voulez sortir du lot et quelque chose vient me dire que si cette carte, elle est placée dans Hope and Fear, ça vient me dire que vous allez trouver les réponses, que vous allez trouver une façon de pouvoir le faire, de faire les choses de façon différente, les Capricornes. C'est vraiment ça qui vient à vous. J'ai l'impression que le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir être différent, ça me montre que vous voulez être différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça me montre que vous êtes en train de chercher des moyens de vous démarquer et c'est exactement ce qui arrive à vous, les Capricornes. Et bien entendu, regardez, vous avez The High Priestess. Ça, c'est ce qui vient couronner tout votre jeu, les Capricornes. Ça vient vraiment me dire qu'il y a des choses qui sont cachées, que les secrets de l'univers vont être révélés à vous et qu'il y a encore des choses qui sont cachées, les Capricornes. Il y a encore des choses qui sont cachées mais qui vont être mises en lumière. La High Priestess, je vous rappelle, c'est celle qui a la connaissance, mais c'est celle qui a un livre sacré sur ses genoux mais qui ne regarde pas son livre sacré parce qu'elle s'en cogne, les Capricornes, et surtout qu'elle a la connaissance. Et la High Priestess, elle connaît aussi tous les secrets de l'univers, mais elle ne dit un mot, les Capricornes. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont cachées et qui vont être révélé à vous, les Capricornes. Est-ce que je vais vous montrer un petit truc sur la High Priestess, les Capricornes. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, mais derrière il y a des arbres, en fait, avec des fruits là derrière, vous voyez. Et en fait, ça me montre que vous êtes vraiment parti pour récolter les fruits. Ça me montre que vous êtes vraiment parti pour récolter les fruits de votre dur labeur et de votre travail, en fait. Ça me montre aussi que vous êtes passionné parce que ce sont des grenades, en fait, dans le Rider-Waite. Ça me montre que vous êtes vraiment passionné par rapport à ce que vous faites, les Capricornes. Donc voilà, je vais aller voir cette énergie qui vient vers vous, les Capricornes, et on va continuer à clarifier. En tout cas, c'est une très très belle guidance et c'est la première fois que je fais ça. Et merci à mes guides d'être avec moi, parce que je vous avoue que c'est un petit peu en stress. C'est pas la même énergie, c'est une énergie assez particulière ici, hein.
les Capricornes. Mais en tout cas, c'est vraiment cool parce que je pense que si j'arrive à le faire ici, je pourrais le faire partout, les Capricornes, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça pète de partout. En dos de deck, vous avez The Star in Reverse, les Capricornes. Ça, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est en train de penser à vous, mais qu'elle est en train de perdre espoir. Elle est en train de perdre espoir parce qu'il y a un mur énergétique qui s'est forgé par rapport à vous. Et je pense qu'il y a un travail énorme qui doit être fait par rapport à ça. Mais cette personne, vous êtes destiné. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les clés qui sont là et que c'est vous qui possédez les Capricornes. Cette personne, ou cette opportunité, ou cette énergie, elle a le Page of Wands in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de construire, elle a envie de se réaliser, mais qu'elle n'arrive pas. Peut-être parce que, ou alors c'est peut-être un projet qui vous attend et qui n'arrive pas justement à se concrétiser sans vous. Ou alors, ça me montre que c'est une personne qui n'arrive pas à se réaliser sans vous, les Capricornes. C'est pour vous montrer à quel point, en fait, la vie n'attend que vous, les Capricornes. Mais il faut que vous arriviez à débloquer cette pierre sombre qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir la faire exploser et la faire rayonner comme un rayon de soleil, les Capricornes. Vous êtes mon rayon de soleil, les Capricornes. C'est pour ça que je vous fais cette guidance ici aujourd'hui. Parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est quand j'étais à deux doigts d'abandonner que vous êtes arrivé, que Five Star est toujours là et qu'aujourd'hui, je vous fais une guidance devant la Tour Eiffel, les Capricornes. Ok ? Et ouais, les Capricornes, vous êtes mes héros. Regardez, cette personne, elle a le Two of Wands, les Capricornes. Ça vient me dire qu'elle a qu'une seule chose, c'est de traverser, elle a qu'une seule envie ou cette opportunité de traverser un océan pour vous rejoindre. Ça me montre encore que vous avez le monde de votre main et qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, les Capricornes, et ne pas perdre espoir. Généralement, quand il y a deux personnes qui sont censées se retrouver ou une opportunité qui doit se faire et que celle-ci ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Boom! The Tower, les Capricornes. Et elle n'est pas une reverse. Elle n'est pas une reverse, énergie scorpionique. Ça vient vraiment me dire, les Capricornes, n'oubliez pas que Saturne et Mercure sont passés en rétrograde jusqu'en octobre et que c'est qu'en octobre que les récompenses vont arriver. Maintenant, on a fini les rétrogrades Gémeaux. On va chercher à l'intérieur. On vient de rentrer dans le mois du Cancer. C'est le moment où il faut rentrer dans sa carapace ou comme l'ermite avec sa petite torche pour pouvoir avancer. C'est le moment de l'introspection. C'est le moment de pouvoir réfléchir et de pouvoir sonder les réponses à l'intérieur de soi, les Capricornes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand la tour arrive, ça veut dire que la tour arrive chez cette personne, que quelque chose, que l'univers conspire en votre faveur, les Capricornes. Ça, c'est clair et net. Regardez les Capricornes. Bim ! Ça, c'est vous, les Capricornes. Ça, c'est vous, les Capricornes. Vous savez pourquoi la Tour Eiffel, tout le monde kiffe la Tour Eiffel ? Bah parce que ça a été fait avec le nombre d'or qu'on retrouve partout dans la nature, qu'on peut retrouver aussi dans les coquillages, chez les hommes, les femmes, qu'on retrouve partout, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce bâtiment, il parle vraiment à notre subconscient. On peut s'asseoir et regarder la Tour Eiffel pendant des heures. Pourquoi ? Parce que c'est un bâtiment qui nous parle, qui est harmonieux, en fait, qui est au diapason avec la vie, avec la nature. Et en fait, les mesures du nombre d'or, en fait, au nombre d'or nous parle à notre subconscient. Un peu comme moi, je parle à votre subconscient, les Capricornes, quand je fais des guidances. C'est pour ça que vous comprenez mes messages et que nos cœurs sont reliés, les Capricornes. Je sais pas pourquoi je suis parti sortir ce truc-là, mais il fallait que je vous le sorte aujourd'hui, les Capricornes. Les Capricornes. Vous avez la Queen of Swords in Reverse, les Capricornes. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de vous dire la vérité, mais encore une fois, elle n'arrive pas à dire la vérité. Et elle est poussée par l'univers pour pouvoir avoir cette conversation franche, cette conversation juste. Pourquoi celle-ci ne se fait pas, les Capricornes? Tout simplement parce que c'est bloqué énergétiquement, les Capricornes. Tout simplement. Regardez, à qui elle pense c'est l'énergie qui couronne son jeu, les Capricornes. Boum! Regardez, cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle veut venir vous rejoindre. C'est la carte qui couronne son jeu. Donc, elle pense à vous 24 heures sur 24, les Capricornes, bien entendu. Et elle n'a pas envie de vous amener une sardine dans un gobelet, les Capricornes. Non, parce que cette carte, elle était in reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de vous appeler. Elle ne sait pas trop comment faire. Elle aimerait juste peut-être vous passer un coup de fil. Ou peut-être qu'au niveau du travail, il y aurait juste peut-être des négociations qui pourraient se faire. Mais ça doit se faire doucement, doucement, les Capricornes. C'est ça que je voulais vous dire. Les Caps. Vous avez le Three of Cups in Reverse. Ça vient me dire tout simplement que cette personne, elle a envie de vous parler. Ça vient me dire aussi que cette personne, elle a vraiment envie de créer quelque chose de concret avec vous, les Capricornes, que c'est pas en train de partir en vrille. Quand le Three of Cups is in Reverse, ça vient me montrer que c'est la fin des triangulaires et que cette personne, elle ne pense qu'à vous et que son cœur est pour vous ou qu'il y a une opportunité qui est faite pour vous et uniquement pour vous, les Capricornes. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui font déjà ce que vous faites. Peut-être que vous voulez faire, je sais pas moi, des guidances astrologiques sur YouTube et qu'il y a déjà des centaines de milliers de chaînes qui le font. Mais si vous le faites, vous le ferez de façon différente, les Capricornes. C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous avez vraiment la potentialité de faire ça avec le Three of Cups in Reverse.
Vous avez le Five of Cups in Reverse. Regardez, ça, ça veut dire que cette personne, elle est en train de sortir des regrets, que la vie est en train de lui montrer le bon chemin, qu'elle est en train de comprendre qu'il faut qu'elle arrête de penser au passé, qu'il faut qu'elle arrête de penser aux regrets, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut qu'elle arrête d'avoir des remords aussi, parce que peut-être que vous avez votre valeur, mais peut-être que votre valeur est tellement élevée que vous lui avez infligé des rumeurs, des remords à cette personne, et peut-être aussi des rumeurs, peut-être qu'elle a entendu parler de vous et qu'elle pense que c'est inatteignable. Ou au niveau du travail, peu importe les Capricornes, mais vous voyez ce que je veux dire, vous me saisissez les Capricornes, mais en tout cas, je peux vous dire que ça bosse dessus. Ops and Fear, vous avez le Ten of Swords in Reverse, les Capricornes. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de sortir, ça veut dire qu'elle est en train de sortir du 10 d'épée et que la retrouvaille est pour bientôt, les Capricornes. Et bien entendu, vous avez le Five of Pentacles in Reverse, les Capricornes. Quand on a le Five of Pentacles in Reverse, ça vient me dire qu'on vient guider, oui, qu'on est guidé par l'univers et qu'on vient quitter la blessure d'abandon, les Capricornes. Maintenant, je vais aller regarder sur le lien, les Caps, et on va voir ce qui se passe. En tout cas, cette guidance, elle est fantastique. Alors, vous allez me dire, ouais, Jay, tu m'avais promis la lune et rien n'est arrivé. Mais si rien n'est arrivé, c'est pour les bonnes raisons, les Capricornes. C'est que vous avez encore du taf à faire, c'est que vous avez besoin de bosser. Quand les choses ne vont pas, je suis là pour vous le dire. Je ne peux pas toujours vous offrir la lune et vous raconter des histoires. D'ailleurs, si je vous raconte des histoires, je sais que ma chaîne va fermer avant demain matin, les Capricornes. Je ne suis pas là pour vous raconter des bobs et vous le savez très bien, les Capricornes. Regardez sur votre lien, les Capricornes. Vous avez le Nine of Pentacles et elle n'est pas une reverse. Ça vient me montrer. Vous savez, la Nine of Pentacles, c'est très simple. Hein. C'est Independent, Generous, Kind. Hein, regardez ça. Independent, Generous, Kind. Ça veut dire que vous êtes indépendant, que vous êtes généreux, que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Et que si vous êtes célibataire ou que pour l'instant vous êtes en train de monter votre projet, vous êtes en train de le faire avec beaucoup. Regardez ça. Excusez-moi, je coupe les Capricornes, mais regardez ça. Vous avez le Ace of Swords in Reverse. Et derrière, vous avez les conversations. Vous avez le 8 de bâton qui arrive. D'accord ? Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous, encore une fois les Capricornes. Et ça vient me dire aussi que vous deux, vous êtes prêts. Je vous parle du lien. Ça vient me dire que sur le lien, en fait, vous êtes tous les deux indépendants et que c'est l'ego. Vous attendez tous les deux d'avoir cette conversation avec le Falcon là, mais que c'est l'ego qui vous bloque. Et regardez les Capricornes, vous avez le Ace of Swords in Reverse. Ça vient me dire qu'encore une fois, il n'y a pas de vérité, les choses ne sont pas dites et on attend cette foutue conversation, les Capricornes, pour pouvoir justement partir. Mais pour l'instant, le fait de partir, le fait de se rejoindre, cette personne, elle veut venir retrouver la High Priestess, mais pour l'instant, les cartes, elles sont à l'envers. Donc, ça veut dire que ça ne se fait pas, qu'il y a un manque de réalisation et tout ça, les Capricornes. Je le sais, bien entendu, les Capricornes. Vous avez... Alors ça, c'est la carte qui me parle, c'est le Six of Wands in Reverse. C'est la carte qui me parle de la victoire qui ne se fait pas, les Capricornes, bien entendu. Pour l'instant, ce n'est pas encore la victoire. Pourquoi ? Parce que vous devez, encore une fois, les Capricornes, je ne fais que devancer les cartes, mais vous devez sortir de là, du Nine of Cups. Vous devez sortir justement de cette énergie, justement, pour pouvoir... sortir de l'ego, vous alléger le cœur, les Capricornes. Pourquoi ? Parce que tous les deux, vous avez la même chose dans la cabesse, là, dans le subconscient, les Capricornes. Regarde les Capricornes. Ouh là là là, ça, c'est vraiment la connerie qu'il ne fallait pas que je dise. Les Capricornes, les Caps, les Capicaps, je vous aime. Je ne sais pas pourquoi je vous appelais les Capricornes, mais bon, en même temps, il fait chaud, un Capricorne, je ne sais pas, c'est frais, il y a du fruit dedans, voilà, ça me donne envie de le boire tout de suite. Bon, c'est bien rattrapé, Jay, vous allez me dire, mais. Bon, en tout cas, vous avez la carte du chariot. La carte du chariot, c'est la carte de la victoire. Ça, c'est ce que énergie des cancers, c'est ce que vous avez dans votre subconscient. Bon, peu importe énergie des cancers, on s'en fout. Mais ça me montre que vous avez ça dans votre subconscient et ça me montre que vous voulez tous les deux avancer vers votre retrouvaille. Vous voulez tous les deux quitter la peur et vous retrouver. Vous avez les étoiles in reverse. Ça vient me dire que vous ne croyez plus aux étoiles en ce moment, mais que vous avez quand même envie d'atteindre la victoire. Et je pense que vous allez atteindre la victoire. Vous devez bien entendu sortir des disputes, les Capricornes, une fois que vous allez discuter avec cette personne. Des choses que vous avez besoin de comprendre à l'intérieur de vous-même, les Capricornes, avec le Four of Swords. Et pourquoi ? Ça, c'est un conseil de l'univers, regardez. Épuration, regardez. Le Six of Cups, les Capricornes. Ça vient me parler vraiment d'épuration, ça vient me parler encore une fois de rêve d'enfant, ça vient me parler de se retrouver, ça vient me dire de se retrouver deux enfants, de retrouver l'âme d'enfant, d'être libre, de se prendre la main et de se balader, je sais pas, moi sur Paris, enfin bon voilà quoi, je veux dire, même si des fois c'est une ville qui fait un peu flipper, ben vous vous retrouvez là et vous vivez la grande romance envers et contre tout, comme celle que je suis en train de vivre avec vous, les Caps. Et vous voyez, là pour l'instant justement, votre rêve ne se réalise pas parce que vous avez le Four of Wands, la carte des flammes jumelles in reverse. Et vous avez aussi, ça vient me dire que cette personne, elle ne peut pas venir vous parler tant que c'est bloqué énergétiquement, les Capricornes. Et ça vient me dire que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la clé, d'accord ? Quand vous avez en fait la carte de la tempérance comme ça, in reverse, ça vient me dire que c'est vous qui avez la clé, les Capricornes. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous, je vous parlais de l'ermite comme tout à l'heure. Ça, c'est la réponse, les Capricornes. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous et de chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Tel l'ermite, quand vous marchez dans une forêt sombre, vous avez la lanterne devant vous qui vous permet d'éclairer trois pas devant vous et d'avancer petit à petit, les Capricornes. Et c'est ça vraiment qui va faire
que vous allez pouvoir vous en sortir, parce que là vous avez The World in Reverse qui est censé être la plus belle carte du jeu. C'est difficile pour vous les Capricornes. En ce moment votre énergie c'est celle-là les Capricornes, c'est le King of Swords, donc ça vient vraiment me montrer que vous faites preuve d'autorité froide. Encore une fois, il y a beaucoup, vous me dites toujours ouais, Jay, t'es sympa avec nous, t'es gentil avec nous, les autres sont pas comme ça et tout. Non, moi je suis pas gentil avec vous, je suis véridique avec vous les Capricornes. Vous incarnez cette autorité froide, mais moi cette autorité froide c'est ce qui fait votre charme. Je sais pas si vous avez vu ce film Séduis-moi si tu peux avec, Charlize Theron. Elle est Capricorne et elle a cette autorité un peu froide et tout ça. Mais pour, vous voulez que je vous dise, alors je vous parle pas de Charlize Theron, hein, mais ce que je voulais vous dire c'est que l'actrice en fait qu'elle incarne, si vous voulez, dans le film, c'est un peu mon fantasme en fait. C'est vraiment cette femme justement qui va être élue président du monde et qui trouve ce clampin, un peu un mec comme moi, et qui décide à la fin, enfin ce qu'elle fait à la fin, je vais pas vous spoiler le film, mais ce qu'elle fait à la fin c'est vraiment formidable. Et moi en fait, pour moi c'est le fantasme féminin par excellence, c'est Charlize Theron, elle est Capricorne. Et c'est vraiment, enfin, c'est pas vraiment Charlize Theron, mais c'est vraiment l'énergie en fait qu'elle incarne en fait dans le film Séduis-moi si tu peux. Et elle a cette énergie froide. Alors oui, vous pouvez paraître froid les Capricornes, mais en fait c'est ça qui fait que les gens sont attirés par vous. Donc utilisez ça, mais pas contre votre gré en fait, que cette force ne se retourne pas contre vous. Utilisez ça comme un charme et pour pouvoir séduire le monde les Capricornes, mais pas en fait pour faire flipper les gens. C'est ça que je voulais vous dire les Capricornes. Encore une fois, on vous demande de sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait d'avoir des scénarios, de se faire des millions de scénarios qui ne sont pas vrais les Capricornes. Il y a une personne qui pense à vous, il y a des opportunités qui sont là, mais pour que vous puissiez les saisir, c'est pas en marchant, c'est pas en défonçant des portes, c'est pas en étant sur la défensive, c'est pas en étant attaché à ses valeurs profondes et ses convictions, parce que vos valeurs sont très hautes. Les Capricornes, c'est en méditant et justement en essayant de descendre cette énergie, en essayant d'être un peu au diapason, en essayant de trouver un peu la paix intérieure, en essayant de méditer, en essayant d'être zen les Capricornes. C'est ça que vous devez essayer de trouver les Capricornes. Je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale, je suis en train de vous balancer les énergies les Capricornes, parce que moi ce que je veux c'est que tout ça, ça se fasse les Capricornes, et que vous me mettiez des messages en disant « Jay, I'm gone zen, je suis devenu cool, maintenant je médite, je fais ça et tout, ma vie est belle, je vois les choses d'une autre façon », et là boum, il y a tout qui est en train de se manifester. C'est ça que je veux pour vous les Caps bien entendu. Et vous avez aussi le King of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a un truc énorme à l'état de potentialité. Encore une fois, lui c'est le cavalier, des quatre cavaliers c'est celui qui est à l'arrêt dans le tarot, mais ça vient me montrer que c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc ça vient me dire que pour l'instant vous êtes à l'arrêt, vous devez prendre ce temps pour réfléchir avant de foncer vers la ligne d'arrivée, et il y a quelque chose de gros qui vous arrive. Pourquoi je vous dis ça les Capricornes? Encore une fois, je suis en train de devancer, mais là vous avez le Seven of Cups les Capricornes. Ça vient me dire que plein d'opportunités s'ouvrent à vous. Mais avant de pouvoir saisir une opportunité, il faut vraiment que vous sondiez à l'intérieur de vous la façon dont vous allez procéder pour pouvoir séduire cette opportunité. Et ce sera en faisant la différence les Capricornes. Et je sais qu'en ce moment c'est difficile les Capricornes. Je sais que c'est très difficile en ce moment les Capricornes, que vous êtes dans le Nine of Swords et que vous voulez aller vers votre victoire les Capricornes. Je sais très bien que vous voulez aller vers votre victoire. Je le sais très bien, mais vous allez y arriver. Encore une fois, le Three of Swords, vous allez y arriver les Caps. Vous allez y arriver, c'est clair et net. Vous allez quitter le 8 of Cups pour vous diriger vers le 10 of Cups, les Capricornes. Ça ne fait aucun doute. Et vous allez déposer votre fardeau, les Capricornes. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez trouver la force. Ne résistez pas à trouver la force à l'intérieur de vous, les Caps. Encore une fois, ne gardez pas les choses pour vous. On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur. Ne gardez pas tout ce potentiel à l'état énergétique pour vous, les Caps. Il y a une personne qui veut venir vous voir, mais elle a peur de venir vous voir, les Capricornes. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Et ça vient me dire qu'on vous demande avec le King of Cups de retrouver en fait votre sensibilité et de devenir mature émotionnellement, de trouver le juste milieu pour que quelqu'un puisse vous apporter cette coupe d'amour et pour pouvoir atteindre votre but ultime. Je vais terminer avec ça les Capricornes. Quel est votre but ultime les Capricornes? Boum! Le Ten of Pentacles les Capricornes, la fructification, la famille, tout le bordel. Vous savez très bien de quoi je parle les Capricornes. Ça c'est votre rêve et vous allez y arriver les Capricornes, bien entendu. Bon, bah écoutez, ça m'a fait super plaisir, hein, c'était une méga guidance. Et tenez, je vous présente mon pote Fred, parce que dans une aventure, on n'est jamais tout seul. Et franchement, c'était à lui que j'étais en train de passer les cartes, donc voilà. Bonjour. Voilà, et c'est un de mes meilleurs amis en fait, donc voilà Fred. Five star. Voilà. Bien joué. Ouais, top. Bon, bah c'est cool les Caps, ça m'a fait super plaisir. Et bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et puis pour le PayPal et tout ça, laissez tomber, on s'en fout, vous êtes au top. Merci en tout cas pour toutes vos donations et tout ça. Et bon, bah, à très bientôt les Caps. Hein. Bye.